Pour sa 19e édition, les triathlons de l'océan Métis ont joué des gros bras avec des effectifs complets sur l'ensemble des courses du week-end. La journée du samedi est traditionnellement tournée vers les plus jeunes, qui sont l'avenir du triathlon français, avec les départs des avenirs 1 et 2, ainsi qu'une course en toute complicité avec les relais famille. Des familles ça a été vraiment un engouement parce qu'ils ont été vraiment mis à l'honneur pour nous tous. Nous on est tous parents, donc voir des bouts de choux qui se défoncent comme ils le font, qui sont souvent même plus hargneux en sport sur la ligne d'arrivée que des adultes, pour nous c'est une satisfaction, c'est un bonheur de voir des enfants qui se battent comme ça pour gagner quelque chose et pour rien, parce que l'enjeu c'est quoi? C'est gagner une médaille, un casque. C'est quelque chose de merveilleux de voir ça. Donc effectivement, oui, les familles sont heureuses, les enfants sont heureux, et nous, organisateurs, on a réussi en fin de compte l'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire faire plaisir, d'une part, faire une belle journée, une belle manifestation, une bonne mise en bouche pour les éditions du dimanche au niveau du sprint, du relais sprint, et puis l'après-midi, finir en apothéose sur le CD. Ce dimanche, la tension est montée d'un cran dans les rangs des compétiteurs ainsi que sur la plage de Port Maria. Début des courses avec le sprint de l'amiral, dont le pistolet de départ a été apporté par les forces spéciales de la Marine nationale. S'en suivra la prestigieuse course courte distance avec 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Très content, c'était une course super excitante et un grand bravo à Sylvain et merci à lui de m'avoir fait vivre ça, c'était énorme, merci. Mais c'est une course que je voulais faire un peu en débridage, on va dire. C'est vrai que c'est des distances très courtes pour moi maintenant, donc je voulais me débrider un peu les jambes. Bon, c'est le cas quelque part, donc ouais, j'ai pas grand chose à regretter. C'est sûr que voilà, j'ai tout donné, je suis pas très loin du premier. Je suis content de aussi qu'on gagne par équipe avec le Wapiti L'Armor Plage.
Donc voilà, je pense que le contrat est réussi. Les difficultés, bon, très bonne natation, il y a un petit peu de houle, mais bon, ça va. J'étais assez surprise de voir Valérie avec moi. Enfin, je savais qu'elle est très bonne nageuse, mais pour le coup, c'est elle qui me tirait. Et puis à vélo, bon, je suis pas spécialiste du tout de la pratique. L'avantage, c'est que c'est assez plat. Il y a pas mal de vent, je savais que Delphine rentrerait. L'objectif, c'était de pas la lâcher après. Et à pied, bah, de finir sur la fraîcheur. Donc c'est vrai que je suis en vacances, donc ça joue pour le coup un peu plus fraîche que d'habitude, quoi. Donc super course, le soleil est arrivé, donc génial. Ça fait plaisir étant donné que bah, l'année dernière je suis une deuxième place, donc j'avais à cœur de bien faire cette année encore, surtout que j'ai eu un début de saison un peu en demi-terme, donc ça fait plaisir de faire une troisième place sur cette course-là. Surtout que c'était mal engagé sur la première partie pédestre, le premier tour course à pied, donc j'ai réussi à bien relancer au mental sur le deuxième tour. Au total, ce seront plus de 25 000 spectateurs qui auront assisté à cette 19e édition et 1200 participants à s'être donné rendez-vous sous le soleil de l'Armor Plage pour faire partager, en individuel ou en équipe, leur passion du triathlon.